Okay. Il y a du cheddar, des frites au cheddar. Ok. Je ne connais rien du jeu, hein, comme d'hab. C'est bon, demain je mettrai la cam 24 heures. Je suis tout nu là, j'ai envie d'être tout nu et voilà, laissez-moi tranquille. Bah presque, hein. Je suis presque tout nu, ouais. Pas ça. Ok, pour l'instant, à part sauter et courir. Dur, dur d'être un bébé. Je m'appelle Jordi, j'ai 3 ans et je suis petit. Ok. Par contre, c'est relou, c'est haut pour sauter, quoi. Ah non, c'est bon, je peux sauter, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Clem. Oh, tier 2, Clem! Tier 2, merci, frère. Yo le chat. Et merci pour ton 21e mois. Waouh, on est plein en fait. On est un sbire. En vrai, ça a l'air cool, hein. Bon, après, je suis pas compliqué, mais.
On voit pas ce qu'il veut faire là. Ah oui, je suis con. Quel connard. Gardez vos dons pour demain, les frères, en vrai. Du caviar au cheddar. Putain. Le cheddar. En vrai, j'ai encore deux emplacements de gifs. Il faudrait faire des vrais gifs, quoi. Il faudrait un gif pour le stream horreur, déjà. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Bah c'est Limbo en mieux en fait. Ah j'ai pas dit que Limbo c'était de la merde. Je dis c'est mieux que Limbo. Nuance. Oh, Dustin. Ouais, mais Shield of Light, c'est un RPG. Bon, on n'est pas mort encore, ça. On sait pas si le jeu est gore ou pas. On se fait repérer pour voir. Vas-y, on va se faire repérer juste pour voir s'il est gore le jeu. Ok. Ah, la DA, ouais, un peu côté pastel, tu veux dire. Ça, c'est un jeu que je pourrais speedrun, en vrai. Mais quoi, pour la prédit? J'ai gagné. J'ai gagné, frère. Ah, Heart of Darkness, on va le refaire. On le fait tous les ans, hein. Oh non. Il y avait un passage à gauche, je voulais voir.
Merci le jeté. Par là, ce qu'il y a à gauche. Il y a un cube en bas. À deux, ça aurait été bien ça. Vous préférez le jeu d'avant ou celui-là? Moi je préfère celui-là en tout cas. Je comprends pas là. Ah ok. Genre il peut pas tirer là? Ah si voilà merci. En vrai celui-là est pas mal hein. J'aime bien le délire du jeu. Ah ouais la DA t'aimes pas? C'est quoi que t'aimes pas dans la DA? Ah peut-être le personnage, moi ça me dérange pas hein. Merde. Attends, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse là. Je le fais passer et après. Limbo lui met 1000-0. Bah Limbo, tu vas pas sauter, tu fais quoi? Là au moins il y a un petit système avec le bâton. Thank you.
Ça passe là, non? Ah oui, ok. Faut que je monte sur la troisième et après je le... Ah bah non, je pourrais pas. Est-ce que ça va passer là? Ah oui, en fait, c'est celle-là qu'il faut que je bouge comme ça, voilà. En fait, faut que j'aligne les deux. Je sais pas si ça va passer là. Je pense que je vais glisser. Je crois pas qu'on l'ait pris, hein, Spargog. Faut se cacher dedans, non? Demain 8h du mat, non, 21h. Oh non! Oh, je pensais pas qu'il était aussi gros le truc. Merde! Mais il veut pas sauter. Faut que je le fasse passer, non?
You saved my life. Bah bon app, hein, Lucas. Oh là là, ce speedrunner. C'est déjà fait. Franchement, je vais l'essayer. J'ai stylé les frères, franchement. Il est pas très cher en plus. Bon, est-ce qu'on va débloquer un autre élément de gameplay? Ou alors, est-ce que c'est ça, le gameplay? Bon, est-ce qu'on va avoir deux lances? Merde. Mais c'est des bâtards! T'es obligé de mourir là! T'es obligé de te faire baiser la première fois! Je suis censé faire là. Genre tu peux relancer en l'air? Non. Ouais, tout simplement. Ah, il y a un système de rebond, d'accord. Ah oui, ok, tu peux sauter plus haut. Je viens de piger. Ouais, j'ai essayé de tirer en sautant, ça marchait pas. Il y a trop de recovery.
Ok. Un carré là-bas, c'est sûr. Ou pas. D'accord. Ça, c'est de la technique, mon gars. En tout cas, je trouve que c'est mille fois mieux que le vieux jeu avec le chat, là, en laine. Là. Putain, j'avais testé, c'était zéro. Comment ça clique droit? Pourquoi clique droit? Je fais clique droit, ça fait rien. Ouais, une Ravel, c'est ça. 19 sur 20, putain. Je comprends pas ce que je dois faire, les gars, là. Ah ok, j'en ai deux. Ok. Ah attends, faut que je pose bien l'autre. Dégage-toi. Je pense que là, c'est bon. Je pense que c'était bon, j'avais juste à sauter. Mais après ça va être trop haut, je pense. Oh. Un pipapo. Ah c'est trop. Comment ils veulent que je fasse? Alors c'est vraiment à la limite quoi. T'es sympa hein. Je peux pas faire plus bas. Hein. Enfin, plus haut plutôt. Je vois pas là. Hein. Je vois pas comment faire. Ou alors c'est l'inverse. Faut piquer avec celui-là et. Après tu fais une autre plateforme, comment ça? Avec le premier, bah non, faut que j'aille le chercher ici. Je peux pas. Il respawn à la gauche. Non, je pense que c'est ça, faut que je saute et que je pique. On va se trop bas là encore. Ouais, je sais pas.
Alors c'est vraiment le timing quoi. Donc, tu vois là je saute pas assez haut là. Pas dans la plateforme et vise la roue suspendue. La roue en haut? Non j'ai voulu mais ça se voit que tu vois, regarde, elle a rien à voir. Et en haut c'est pareil. Il y a peut-être un truc qu'on sait pas faire. Celle qui bouge? Non mais j'essaie. Ah tu parles de celle-là? Marche pas. Allez, elle fait partie du décor. Elle est pas physique. Les deux sur le même bouton. Ah oui, bien vu Albert, c'est ça. Exactement ça. Bien vu frère. Et là maintenant on peut faire ça. Ah bah non, on peut pas. Non, tu vois, je peux pas. Alors attends. C'est ça, mais dans ce cas-là, il faut faire l'inverse. Et là, on récupère. Ah, c'est ça. Ok. On a compris. Bien vu, Albert. Attendez, faut qu'on recommence là. Ok, donc il y a un timing quand même à faire. Donc, première. Merde. Je fais n'impe. Mais j'ai Albert. Il y en a un qui est intelligent dans le chat. Il nous a appelé le chat. Merde. C'est bête qui ressemble à rien. Ah tiens d'ailleurs j'ai revu le premier saut ce week-end. En ce moment je re-regarde des films. J'ai revu Shining. Alors Shining, j'étais le premier à cracher dessus. Mais parce que je l'avais vu en version française. Là je l'ai vu en version originale. Le film est quand même mieux que ce que je pensais. Mais ça reste un thriller et pas un film d'horreur quoi. Tout le monde dit que c'est l'un des meilleurs films d'horreur. C'est pas un film d'horreur quoi. Faut arrêter quoi. Le 1 c'est le meilleur? Non moi j'aime bien celui où ils sont en groupe là. Pour moi c'est celui-là le meilleur que j'ai vu. Ça fait pas peur, ça. C'est surtout gore, quoi. Et encore, le premier est pas gore, hein. Tu vois rien, en fait. Tout est censuré.
Oula. Ok. Dead Silence, très bonne surprise, moi, la fois où je l'avais vu. Il est cool, le film. Moi. Non, Aquaman, c'est loin d'être le pire. C'est loin d'être le pire d'ici. Moi, j'ai bien aimé Aquaman. Ah, tu connais Dead Silence, Liré? Oh, il y a un petit twist hein, dans Dead Silence, en vrai. Oh, ce personnage qui veut rien dire. J'ai revu Babadook aussi. Babadook m'a mis dans un mood vraiment. Je l'avais déjà vu. Et j'en attendais trop en fait. C'est, ça arrive que, quand tu regardes un film. Ils avaient fait une promo de ouf autour du film et tout. Qu'il avait gagné des prix et tout. Du coup, je m'attendais vraiment à un super film. Là, je l'ai revu en mode légèreté. Et en vrai, le film m'a mis dans un mauvais mood quoi. Il n'y a pas beaucoup de films qui me mettent comme ça. Il m'a mis mal à l'aise le film. Ken, il taffe en ce moment, il est en stage. Pendant un mois, il va pas être trop là, je pense. Mais pareil, c'est un thriller, c'est pas un film d'horreur, quoi. Oui, Hérédité, bien sûr. Pareil, Hérédité, il te met dans un mood, voilà, quoi. Mais il faudrait que je le revoie, Hérédité. Mais ouais, Hérédité, il te met mal aussi, hein. Plus que Midsommar, tu vois. J'ai préféré largement Hérédité que Midsommar. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé Midsommar. Mais pareil, après Hérédité, je m'attendais à un film. En fait, il est moins bien, je le trouve moins bien, moi. Qu'est-ce que je dois faire là? Midsommar, je sais pas. Je suis passé à côté, moi. Faut juste courir, non? Ouais. Si, la scène du suicide m'a mis un peu mal. Et la scène de sexe elle m'a mis un peu dans le mal aussi. Mais sinon, Ouais, on
on a plus de mode. Bah, y'a que l'oucheté, hein. Qu'est-ce que je vais faire, là? On va voir ce que je vais faire. Oh, puis pouf. Bientôt une nouvelle fonction d'ailleurs sur Twitch, avec les points. Bientôt une nouvelle fonction. Gardez vos points. Vas-y Guy. Un conseil, gardez vos points. Qu'est-ce que je dois faire là? Sur toutes les chaînes? Bah non, sur ma chaîne. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. Ah, oh, il est transformé en gentil, ok. Et donc? Ah. Bon, on va bientôt changer de jeu. En vrai, celui-là, je le valide, hein. Je le valide. Il fait le taf. Y a un petit style. Bon, pour l'instant, ça reste assez basique, les énigmes. Enfin, les puzzles.
Je vais mourir là, non? Enfin. Oula. Comment je l'enlève celle-là? Ok. Il m'en manque un là. Non, non, c'est bon. Ok. Créteil soleil. T'appelles ça des Yeti gel? Tu parles des roses là, Lireille? Ils sont trop bons ceux-là. Ah, les Yeti gel, frère, j'ai toujours appelé ça les Mr. Freeze sous marque. Alors que ça met 1000-0 au Mr. Freeze. Ah non, goût bubblegum, je les valide. Les bleus, ils sont ignobles. C'est une menthe bizarre là, j'aime pas du tout. Oui, ils sont dans le même paquet. Bon, on go next. Une note sur 20 sur ce jeu, les gars. Vous les mettez combien? En vrai, sur 20, 11 sur 20. Oh, vous êtes dur, hein, les gars, vous êtes dur. Moi, je trouve il fait le taf. Hein. En tout cas, je suis rentré dedans, moi. Je suis rentré dedans. Ah oui, c'est pas sur 10, non, c'est sur 20. Attendez, je regarde juste si j'étais loin de la fin ou pas. Ok, on a fait la moitié du jeu.
On est à la moitié du jeu. Ah non, un peu moins de la moitié. Ah non, j'ai rien dit. On est à 40 minutes sur 1h40 de jeu. Donc un peu moins de la moitié. Non, je le trouve... Ah, c'est un jeu portugais. That well. C'est un jeu portugais, les frères. Il y a un mec qui a dit « Incredible stuff from Portugal ». Moi, je lui mets 14 aussi. Je lui mets un petit 13, 14.